Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'en ap gade vidéo ça. Dans vidéo aujourd'hui, on va montrer trois artistes qui te grandi dans l'église journée aujourd'hui cap chanter dans mode n'a dit like vidéo, abonnez à la chaîne là pour encourager travail là et dans prochaine vidéo, n'a porter pour trois autres artistes dans partie numéro 2 de série ça. N'a dit like vidéo, abonnez à la chaîne là, partagez vidéo pour plus monde kawel et encourager travail. N'abdou abonné à la chaîne là pour pas rater aucune vidéo n'ab gen pou poster pour j'en connais toujours poster vidéo qui parle de sport ou bien culture, musique, politique, actualité, quel que soit ça lié, nous toujours prend le soin pour poster pour n'abdou abonné à la chaîne là pour pas rater aucune vidéo n'a poster pour yo. Disponible moun ki commenter vidéo là, dans prochaine vidéo là n'a poster commentaire là. N'a pas un petit pause, n'a pas tourné tout de suite à la vidéo. Bienvenue madame monsieur pour vidéo ça que n'a bien vous présenter et n'a commencé avec premier artiste nous aujourd'hui. Premier artiste n'a bien vous présenter aujourd'hui qui grandit dans l'église, je ne veux dire qu'a chanté dans monde là madame monsieur, c'est ta femme soleil, nous connaît ta femme soleil, c'est un jeune artiste très prometteuse sous scène musicale là qui fait ap émerger. Ben n'a invité et garder Jean l'étape réagi dans micro Ticket Magazine côté qu'il t'a parlé de parcours il fait dans l'église avant pour la chanter dans monde là journée jeudi a artiste de label ça qui a bon de Empire ça qui a monté qui c'est Evasion Music. Là où on connaît parce que nous parlons déjà ensemble. Bon, oui. Même si nous n'avons pas vraiment à vivre ça, mais là, nous connaissons ta fête à l'église. Et mon l'église est capable de dire enfant de la promesse. Et là, quelque part. Et là, nous jouons ta fête qui pratiquement là à chanter dans le monde, entre guillemets. Comment tu fais pour te passer la transition, ça, c'est une bon, quand je tout le monde connaît, transition yo yo pas jamais facile et yo mené ensemble avec yo de ça ou les sacrifices là, ok, quelque part c'est une sorte de coup d'opportunité. Si on capte un langage économique, c'est perdu un bagage courant mais quand même pour un lot et qui peut-être ou gain plus intérêt là dedans, ok. Et ben c'était ça pratiquement avec la transition, il était coûté en pile. Bon, de toute façon réaliser rêve les couteaux, ok. Et en gros, c'était ça. La transition n'est pas facile parce que par rapport avec la famille moins et en disant que l'éducation ecclésiastique que je recevais, ok, donc il n'est pas facile pour me passer de l'église là à ça m'a fait cougna. C'est tout un démarche qui mène un pile de rébellion là-dedans, un pile de tête dit, ok, qui ben nous t'a pas je dis, mais qui pas regret non plus. Mais là, est-ce que quelque part va être une opération comme si pour ramener l'enfant prodigue à la maison? Parce que là, où tu es pratiquement dans l'église, il y a des services que tu as fait, etc. Bon, oui. J'imagine. Bon, il y aura toujours ça en fait. Parce que je ne suis pas seulement un petit monde comme ça dans l'église. Je suis pratiquement un petit monde que l'église a été plus chéri tout. Parce que moi, j'étais dans tout. Bagay dans l'église là, moi j'étais dans chorale, en plus de m'étais dans chorale, moi tout moi j'étais gain de fonction que moi j'étais responsable, OK, c'était genre et responsable quelque bagay qui était gain rapport soit avec timoun qui était plus petit passé, OK, soit de chorale groupe timoun, soit de bagay qui était gain rapport avec causer côté l'église là, gestion avec causer côté l'église là. Donc moi j'étais gain de fonction que moi j'étais rempli. Et donc, je me suis dit que j'ai une parole que j'ai dit, donc j'ai dit que c'était exact, c'est que mon exode de dîme, il n'y a pas peur de dire comme ça. Parce que ce n'est pas juste un monde qui était juste contre l'église chaque jour qui était en jeu, mais c'était un monde qui t'a rempli des fonctions, qui était utile l'église là, fait lecture. Donc j'étais quelque part responsable de tout. Un paquet de bagages, j'étais étoile montante de l'église là, tout. Mais ça qui n'a pas empêché que moi j'étais lagué, si je me suis dit comme ça.
pas hésiter à abonner avec channel là et puis like vidéo, partager mes amis. Deuxième artiste n'a pour nous présenter pour journée aujourd'hui, c'est Beijing. Beijing nous même nous connaît qui lui même passé aussi de présentation sur scène musicale là qui fait et pas mal de belles musiques qui défouent la chronique sur scène musicale là. Et ben n'a pas invité tendez et garder Beijing lui même qui t'a expliqué pas cool de faire dans l'église. Et pour qui ça, lui quitter pour le chanter dans le monde là, journée jeudi. J'ai démarré dans marketing et relations publiques en ligne, mais maintenant, la sécurité a vu un petit genre stable, vu mieux, et puis bon, allez, l'école. Ok, mais là, nous allons entrer dans l'histoire avec la musique. C'est comment ça a commencé? Bon, avant, c'était à l'église, dans des activités culturelles. Tu avais dû chuter? J'aurais rien dit. Non, on ne pas dire comme ça. Parce que avant, je suis allé à l'église puis souvent, mais quand il y a un petit recul. Souvent. Un petit recul. Parce que je viens de comprendre tout que l'église, c'est moi-même qui l'église. L'église, c'est la femme, c'est moi-même, c'est relation personnelle avec bon Dieu. C'est le plus important, c'est pas lever chaque jour, aller devant l'église. C'est pas ça vraiment qui est important. Même pas contre le monde qui fait le tout. Donc, avant, c'était l'église, dans l'école, moi-même, je suis chanté dans la soirée. Eh bien, troisième artiste n'a bien pour nous présenter aujourd'hui, jeudi, qui grandit dans l'église, c'est Richel Guillaume. Richel Guillaume nous connaît, qui fait parler en pile de lui, son artiste, qui fait couler beaucoup d'encre sur la scène nationale comme internationale. C'est un artiste qui fait parler en pile de lui dans les Caraïbes. Là, eh bien, lui-même tout, t'es fait passage lui dans l'église. D'après Vito, écoutez, déclaration, il t'es fait pour l'expliquer, passage lui dans l'église. Première fois sur scène, j'avais 5 ans, j'étais dans une chorale et j'étais la plus jeune à l'église. Donc j'étais à l'église et je me souviens exactement que mes jeunes, regardez ça, attends, comment elle me tarde. Ouais. Premier, moi c'est Lynn, dans très jeune âge. Premier texte de musique écrit, c'est une musique évangélique. Quand j'étais à l'église et j'étais passé, j'étais 13, 14 ans, j'étais chanté dans la chorale Cosmic Peace Pasquale. J'étais dans le concours, dans l'église, moi. Concours de chant et dans la période là pied m'était cassé et le Samson j'ai m'a chanté en musique Whitney Houston. I have nothing, nothing, nothing. Et puis m'était remporté le premier prix. Regardez petit moi, pas songer combien quoi m'était bon, mais juste ça m'était reine. Moun pas ka parler avec parce que juste soir ça c'est superstar m'était parce que m'sont champion comme si m'a donné n'importe gros concours international et m'était sous béquille. Donc ça m'avait marqué. Parce que tout le monde était sous deux pieds et m'a chanté sous Becky. Et puis Whitney Houston, ce monde que je grandis avec elle, dans son rêve, je me dis grandis avec elle. On a dit, oh, tu habites même quoi avec elle. Non, je grandis avec elle dans son rêve. Donc oui, je chante en musique Whitney Houston. Nabdou, merci parce que vous regardez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être connecté avec nous pour encourager le travail. Nabdou, merci. À la prochaine pour une autre vidéo.